Bonjour, bonsoir, comment vous allez? Mes frères et sœurs, mes enfants, comment vous allez? Ici, c'est le maître Marabout d'Akpasenon, comme vous le connaissez. Je suis encore là pour vous présenter mes nouveaux portefeuilles magiques. C'est-à-dire, c'est un nouveau portefeuille magique que j'ai fait pour vous envoyer un client. Donc, je voulais profiter pour faire une démonstration que vous allez voir. Je suis là, vous me connaissez très bien. On m'appelle Maître Marabout d'Akpasenon, reconnu au monde entier. Je suis là concernant le portefeuille magique. Je vous ai dit toujours que de faire attention sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de marabouts dans nos pays. Bénin. Il y a plein de jeunes qui vont vous arnaquer sur les réseaux sociaux. Au début de commencement, quand nous avons eu le pouvoir de portefeuille magique, nous, on ne connaît pas le travail international. On faisait le rituel en local, c'est-à-dire dans notre pays, nos frères et sœurs. En ce temps, les clients nous encombraient beaucoup, on avait eu des clients partout, on ne peut pas les reconduire. C'est de là qu'on est obligé d'engager des jeunes. On les appelle disciples. Ils voient le travail. Ils ne savent pas faire. Ils sont quittés de nous. C'est eux qui ont monté sur les réseaux sociaux devant nous, qui sont en train de vous arnaquer partout. Je vous ai dit toujours, quand vous contactez un maître marabout béninois, il faut que vous le demandiez. Parce que dans mon pays, au Bénin, nous sommes sept personnes qui ont ce pouvoir de portefeuille magique. Il y a plein de marabouts dans le pays. Mais concernant le portefeuille magique, nous sommes sept personnes qui ont ce pouvoir de portefeuille magique. Aujourd'hui, dans mon pays, nous sommes actuellement quatre personnes actuellement. Parce que nous avons deux collègues qui sont au Nigeria actuellement, qui faisaient aussi ce publicité de portefeuille magique aussi. Et vous avez trouvé aussi un numéro haïtien, Haïti, plus de 290 aussi, qui faisait aussi sur publication de portefeuille magique. C'est nous correct. Actuellement, dans mon pays, nous sommes quatre personnes qui ont ce pouvoir de portefeuille magique. Je ne peux pas vous mentir. Quatre personnes qui ont ce pouvoir. Nous qui sommes le vrai marabout, on ne connaît pas les réseaux sociaux. On ne sait pas comment faire. Et c'est les jeunes qui sont montés sur les réseaux sociaux devant nous, qui sont en train de voir arnaquer partout. Sur les forums, sur Internet, sur YouTube, sur les sites Internet. Donc nous-mêmes aussi, on a besoin d'intégrer nos enfants pour aller chercher des moyens pour nous-mêmes aussi, on va commencer à mettre les vidéos en ligne. C'est pourquoi nous-mêmes aussi, les frères, on a commencé à mettre les vidéos en ligne actuellement. Donc, essayez de partager, essayez de mettre j'aime sur mon YouTube et essayez de partager mon YouTube. Je suis là pour vous quelques démonstrations. Regardez-moi très bien. Voilà le portefeuille. Regardez, vous voyez. Je ne suis pas là pour vous mentir parce que je sais que tout ce que l'homme est en train de faire dans cette vie. Dieu au courant de tout. Le bienfait n'a jamais perdu. C'est comme ça aussi, le mal fait a son pot cassé. Donc, je ne peux pas prendre l'argent de quelqu'un sans satisfaction. Ce n'est pas bon. C'est interdit par le rituel même. C'est interdit par le rituel même. Voilà le portefeuille. Si quelqu'un voulait, vous pouvez me contacter sur mon numéro 229 66 86 90 65, voilà mon numéro. Je suis à Cotonou, j'ai là où moi-même je dors, là où moi-même je reste avec ma famille. Je suis à Cotonou, à 16 arrondissements. Arrivé à 16 arrondissements, vous pouvez demander les tassimans, n'importe les diamants, n'importe même le commissariat qui est là et demander Maître Sauveur d'Akpasenon. C'est directement. Même les enfants, ils vont vous amener chez moi à la maison directement. Donc je ne suis pas parmi les marabouts, ne me comparez pas. Parmi les pauvres marabouts. Voilà le portefeuille.
Je ne parle fermeture à l'intérieur. Jamais. Voilà le portefeuille vide. Il n'y a pas de fermeture à l'intérieur. Ceux qui ne connaissent pas le rituel, ils ne savent pas faire. C'est eux qui coupent les vidéos ou bien ils mettent les fermetures intérieures du portefeuille pour en train de vous blaguer sur les réseaux. Regardez. Maintenant, ça peut tarder. Je vais aller ici. Regardez un talisman qui est là. C'est le talisman qui est en charge du portefeuille magique. C'est ça qui produit d'argent. N'importe l'argent que vous voulez. N'importe l'argent que vous voulez. Ça va vous aider à faire tout ce que vous voulez. L'argent, vous avez trouvé l'argent comme vous voulez. Mais ce que je vous dis, mes clients, toujours, ne prenez pas cet argent pour faire des ordres dans les bars. Vous cherchez la femme de truie et commencez à faire des trucs. La visa, là, c'est pas bon du tout. Mais je ne fais pas le rituel pour les mineurs. C'est interdit parce que je me suis interpellé plusieurs reprises par la Côte d'Ivoire. Au début de mon commencement, j'ai fait un rituel, j'ai aidé les jeunes frères des Ivoiriens et ils commençaient à voir d'argent, ils commençaient à faire des désordres. Et c'est de là que je me suis interpellé deux fois par la commissariat. Et c'est de là, mais bon, j'ai sorti ma décision de ne plus faire de ne plus envie de faire le travail pour les mineurs. Regardez le testament. Je vais mettre ça dedans. Je vais mettre ça dans le portefeuille. Donc, si je envoie le portefeuille à quelqu'un, vous devez trouver ce talisman. Parce que c'est ça qui est en charge de tout ça. Je vais mettre ça dedans. Et je ferme. Je mets ça ici. Maintenant, je vais invoquer la génie. Regardez mon numéro, plus 229 66 86 90 65. Venez ici, regardez avec moi, ne dis pas que j'ai mis l'argent dans le portefeuille. Regardez, c'est toujours vite. C'est toujours vite. Voilà, maintenant, je vais demander la voix au génie. J'ai ici 4 colis ici. 4 colis ici. Là, je vais demander à la voix génie s'ils sont acceptés. S'ils n'ont pas accepté, je suis obligé d'abandonner. Regardez. Les connaisseurs qu'on a déjà, vous voyez. C'est 4 colis, c'est divisé en deux parties. Les connaisseurs qu'on a d'abord, qu'on a déjà, qu'on a depuis. Voilà. Regardez avec moi, essayez de partager. Dans le bien, les jeux n'est pas accepté. Sinon, ça doit plus le feu, comme on n'a pas accepté, on va encore revenir. Je vais encore demander à voir une fois. Il y a un feu ici. Vous voyez ça là, un feu.
Comme c'est en direct, je crois que les gens ne vont pas accepter. Je demande encore la voix. Chers mes génies, répondez-moi. S'il vous plaît, répondez-moi. Je suis en direct. Je suis en vidéo. Répondez-moi. Ne me déçus pas. Répondez-moi. Ils ont encore accepté. Je vais encore ouvrir le portefeuille pour voir s'ils n'ont pas encore revenu parce que ça doit faire chose là. Vous voyez? C'est toujours le talisman. C'est toujours le talisman. Je vais ajouter le 10 000 là. Regardez, 229, 66, 86, 90, 65. Regardez à l'intérieur. C'est toujours vide. C'est toujours vide. Ne dis pas que j'ai mis l'argent dans le portefeuille. J'ai rempli le portefeuille en train de vous mentir. C'est pourquoi à chaque fois, si le caméra qui était sur le portefeuille, je reviens de vous montrer à l'intérieur. Ne dis pas que papa a mis l'argent dans le portefeuille. Chers mes génies, ne me déçus pas. Répondez-moi. Voilà ça, ils ont accepté. Merci mes chers génies, merci mes chers génies. Merci mes chers génies parce qu'ils sont en direct. Maintenant je vais ouvrir le portefeuille. Pour pouvoir me contacter, je dis bien, plus 229, 66, 86, 90, 65. Voilà mon numéro en direct. Je dis bien plus 229, 66, 86, 90, 65. Maintenant, je vais ouvrir. Regardez, c'est quoi ça? C'est de l'argent. Pas de la blague. Je ne fais pas de la blague. Je ne suis pas parmi eux, ne me compare pas parmi eux. Je ne suis pas parmi les faux marabouts. Regardez, c'est de l'argent. Ceux qui connaissent déjà, ce n'est pas faux bien. Quand vous venez chez moi, après avoir multiplié de l'argent de portefeuille, je peux vous donner un, vous allez aller faire essayer pour voir si c'est un faux bien ou pas. Mais je suis là, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez venir me voir. Je vais faire la démonstration devant vous en direct. Et après, si vous avez trouvé d'argent, vous allez venir et je vais vous aider. J'ai le portefeuille magique vrai. Il y a le vrai, la valise magique, il y a le calvasse magique, il y a le jar magique, tout richesse. Si vous voulez rentrer dans le set aussi, je vais vous aider à faire rentrer dans le set. Regardez, tout ça c'est de l'argent. Mais je ne me déçus pas jamais. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que je suis dans la domaine. J'avais plus de 45 ans d'expérience. Donc je ne suis pas parmi les enfants. C'est chez nous que les enfants voient le travail. Ils ne savent pas comment faire, c'est qu'ils sont en train d'arnaquer des gens. C'est des jeunes, on a tout fait. On allait voir notre président, cher papa, Patrick Taron, pour qu'on fasse tout possible pour les arrêter. On a tout fait. On a arrêté plus de 400 personnes, plus de 1000 personnes, mais toujours il y a des jeunes encore sur les réseaux sociaux. Faites attention, si vous voulez me contacter, contactez-moi plus de 229, 66, 86, 90, 65. Voilà l'argent, qu'est-ce que je vais faire avec ça?